Eh bien salut tout le monde, c'est Majin Siri des Boucles de Nerfs et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo annonce. Comme beaucoup d'entre vous l'avez entendu, la vidéo de recrutement saison 2 de Famous Kingdom. Bonjour Boule de Nerfs. Bonjour Majin. Comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va bien. Alors on a pris quand même pas mal de retard pour la vidéo d'annonce, parce, tout simplement parce qu'on n'a pas trop eu le temps, on a eu beaucoup de mal à trouver une carte convenable. Donc comme vous pouvez le voir, on a trouvé une carte qui était déjà toute faite. Donc la carte a été faite par Tweety. On mettra le lien de sa chaîne via YouTube de toute façon. Donc on le remercie, on s'est permis de faire quelques petites modifs. Notamment, comme vous pouvez le voir, Famous Kingdom saison 2, décrit sous l'eau. On avait trouvé ça stylé. Hein. Tout à fait. Et puis voilà, donc globalement, le gros de la map a déjà été fait. Et donc voilà, donc vidéo recrutement. Donc on va avoir besoin de vous de nouveau. Alors, concernant le recrutement. Cette année, ça va se passer. Enfin, cette année, pour la saison 2. Cette saison. Ouais, pour cette saison. Pour la saison numéro 2, nous serons une équipe de 3v3. Donc, sachant qu'une première équipe sera déjà composée deux de. Deux équipes. Comment ça ? Équipe de 3. Oui, deux équipes de 3. Donc t'as dit 3. Une équipe de 3v3. Non, je dis donc qu'il y aura déjà une équipe composée de deux personnes, c'est-à-dire moi et Boule de Nerfs, Boule de Nerfs et moi. Plus une troisième personne qui viendra nous rejoindre. Et une deuxième équipe de 3 personnes. Alors pour le recrutement, c'est exactement comme la saison 1. Donc si vous n'avez pas vu, je vous invite quand même à aller le voir comme ça. Mais bon, on va répéter tout ce qu'on avait dit. Donc pour la saison 2, donc le recrutement, donc, vous pouvez vous inscrire donc, tout simplement en envoyant une vidéo de participation pour la saison 2 de Famous Kingdom. Donc une vidéo originale, de bonne qualité. Donc on veut quand même quelque chose de correct, de fluide, etc. Comme ça, ça va nous montrer vos aptitudes à faire de la vidéo. Puisque, et du montage. Et du montage vidéo, exactement. Puisqu'il faudra le point de vue... il y aura notre point de vue et le point de vue adverse. Donc... parmi les personnes qui se présenteront, donc on insiste sur le fait que vous devez savoir faire du montage vidéo de qualité quand même. Tout simplement parce que si tout le monde se présente, parce qu'il n'y aura qu'un point de vue. Enfin, après, les gens feront ce qu'ils veulent, ils pourront très bien enregistrer et mettre sur leur chaîne. Mais il faut minimum un point de vue. Voilà, il faut minimum un point de vue pour l'équipe adverse. Donc après, vous pouvez vous inscrire si vous filmez pas, c'est pas grave. Mais précisez-le tout de suite parce qu'il faut qu'on trouve quelqu'un qui filme dans votre équipe. Voilà. Donc sachez que si vous le savez le faire, c'est quand même un point positif pour vous. Si vous savez, si vous pouvez, si vous avez la capacité de le faire par rapport à votre ordinateur. Tout à fait, tout à fait. Voilà, alors quoi d'autre comme information? Donc, comme d'hab, hein, les trucs bateaux, hein, il faut que vous ayez Skype. Voilà, Skype. Pour les connexions, c'est comme la saison dernière, hein, ça sera toujours tourné le soir après 21h. Donc après, ça sera les jours, ça sera fixé au fur et à mesure des tournages. Mais sachez que ça sera toujours le soir après 21h. Donc si vous n'êtes pas dispo le soir après 21h, désolé, mais pas la peine de vous inscrire, on n'a aucun autre créneau. Voilà, donc nous notre créneau c'est vraiment le soir à partir de 21h. Donc pareil, des sessions de minimum, je pense qu'on tournera au minimum 1h30, 2h. Ouais, pour dire faire 3-4 épisodes à la chaîne. Voilà. Donc restez un minimum sérieux quand même, parce qu'il y a quand même derrière des engagements, vous vous engagez quand même à participer à... Comment dire, on sera quand même à plusieurs sur un serveur, etc. Donc, quand on fixera un rendez-vous, la moindre des choses, c'est de le respecter, à moins d'être avoir un imprévu. Et là, ça c'est bien de nous prévenir à l'avance, si c'est possible. Je te coupe. Oui. En parlant de serveur, si vous vous dites si c'est pour participer, que ça lag et tout, on vous rassure tout de suite, c'est plus du tout le même serveur. Oui. Donc là, ça sera un serveur dédié, donc un serveur payant, bien sûr. La dernière fois, c'était un serveur qui était hébergé sur mon propre PC. Donc on a vu que dès qu'il a commencé à y avoir de la baston, ça ramait. Donc du coup, on apprend de nos erreurs. Et donc là, cette fois-ci, nous serons sur un bon serveur dédié qui sera au top. Donc normalement, il n'y aura pas du tout de problème de lag. On a pris le top du top. Donc normalement, ça devrait aller. Voilà.
Voilà. Donc on va vous montrer un petit peu la carte pour vous la faire découvrir. Enfin, un petit peu la carte. On va juste vous montrer cette Bastille. Parce que je sais pas si t'es d'accord avec moi, Imagine, mais je pense que au niveau de la map et au niveau des emplacements, je pense qu'on peut laisser un petit peu de suspense pour les épisodes, en Oui, fait. tout à fait, on va pas On va montrer. juste montrer un petit peu la base ici, puisque c'est un peu ce qu'on oublie tout le temps de présenter quand on fait les Famous Kingdoms. C'est un peu la base neutre, où est-ce qu'on doit mettre nos objectifs, tout ça. Voilà, donc on a d'un côté et de l'autre donc les laines de couleur, donc il y aura une équipe rouge, une équipe bleue. Dans les coffres, il faudra mettre les objectifs, donc les blocs à ramener, notamment. Donc on montre aussi les blocs, ouais, on montre. Alors, si j'y arrive. Voilà, donc là, comme vous avez pu le voir, c'est un accès au Nether. Voilà, donc pas la même erreur que la première saison, donc c'est un portail du Nether commun. Et les objectifs sont ici. Alors de la Netherrack, de la Soul Sand, de la brique du Nether, Aluminite. de la luminite, un bloc de quartz et une laine orange cette année. À Enfin cette année, crafter. cette saison. À crafter À soi-même. crafter également soi-même forcément. Comme Enfin, d'habitude. de toute façon, ça se trouvera pas comme ça. Voilà. Voilà pour les objectifs. Je pense qu'on a fait le tour. À moins qu'on oublie de certaines choses. Si on oublie certaines choses, bah mettez un commentaire. Sur la vidéo. Donc pour s'inscrire, voilà, je reviens à ça pour l'inscription. Donc réaliser une vidéo, nous l'envoyer. Alors soit vous la faites et vous la mettez sur votre chaîne YouTube et vous nous envoyez le lien de la vidéo à l'adresse mail qui va s'afficher en bas de l'écran. Je vais l'afficher pendant la vidéo, qui va s'afficher en bas de l'écran et vous retrouverez aussi l'adresse mail dans la description. Donc uniquement, hein, uniquement, pas comme l'année dernière, pas comme la saison précédente. Les inscriptions se font uniquement sur cette adresse mail. C'est pas la peine de mettre dans les commentaires je participe, voici ma vidéo. Non, c'est que par mail pour une question de simplicité parce que je ne suis pas tout seul à gérer les inscriptions. Il y a Boule de Nerf aussi qui s'en occupe. Comme moi je peux pas, ça sera elle. Donc uniquement par mail. Une vidéo de présentation, enfin faites quelque chose d'original qui nous donne vraiment envie de vous prendre dans cette saison 2. Un peu comme Carla Gigivo et Clem Tobas et Manguizis ce qu'ils avaient fait, leur vidéo était vraiment originale, donc c'est pour ça qu'on les a retenus. Voilà, un Et petit mot, ouais. j'aurais juste à rajouter quelque chose. Par contre, ce que vous pouvez mettre en commentaire sur cette vidéo, c'est des idées. Si vous avez des idées pour un futur Famous Kingdoms ou même des idées d'objectifs, hein, c'est parce que là on a fixé 5 objectifs. Si vous pensez à des objectifs qui pourraient être sympas, n'hésitez pas à nous les communiquer. On peut encore changer puisque la saison n'est pas commencée. Donc toute idée est bienvenue comme d'habitude. Voilà, exactement. Eh bien, sur ce, on va se laisser Tout ici. à fait. Allez, eh bien, bonne chance à tous pour ce recrutement de saison 2. Sachant que, c'est ça que j'ai oublié de dire aussi, la saison 2, de recrutement, la période de recrutement sera beaucoup plus longue que la première saison. Parce que la première saison, on était quand même pressé de la faire, en fait. Et donc là, je pense que ça va durer sur presque un mois, le recrutement, hein. Alors, ouais, par contre, presque un mois, si, mais bon, plus vite on reçoit les vidéos, mieux c'est, puisque le temps qu'on fasse la sélection. Et puis dites-vous que, en fait, quand on reçoit les vidéos, si elles sont bien tout de suite, un peu ce qu'ils avaient fait, Carla Gigivo, hein, c'est la première vidéo qu'on avait reçue, la première bonne vidéo qu'on avait reçue, donc elle était quand même, vous l'avez vu, hein, c'était quand même le top du top, ils avaient fait un petit montage et tout, il y avait quand même du travail. Donc quand on voit une vidéo comme ça, après forcément c'est dur de revenir sur autre chose. Donc plus vite vous envoyez les vidéos bien faites, on va dire que c'est pas, on retient pas forcément que votre vidéo, mais on a votre vidéo en tête, donc c'est quand même, on reste quand même sur nos positions. Donc n'hésitez pas, n'attendez pas le 30 septembre pour nous envoyer la vidéo. Je veux dire, si vous pouvez faire ça, je veux dire demain et puis nous la poster après-demain ou dans une semaine. Hein. Quand je dis demain, Oui, bien c'est pas sûr. comme quoi faut être urgent, mais n'attendez pas le 30 septembre et puis après nous dire ouais, on n'a pas été sélectionné. Enfin voilà, il faut pas attendre la dernière minute non plus, quoi. Exactement. Voilà. Sachant que, et aussi une dernière petite chose, il n'y a pas vraiment de limite d'âge. De toute façon, on sera vite fixé sur vos vidéos. Donc, n'hésitez pas, les plus jeunes comme les plus âgés, n'hésitez pas à faire une vidéo de présentation, enfin, pas de présentation, mais de participation. Et en fonction de votre travail, on jugera, si oui ou non, on vous sélectionnera.
Tout à fait. Voilà, donc bonne chance à tous et on se dit à la prochaine pour le résultat, je dirais le tirage, pas le tirage au sort, mais la sélection des équipes pour la saison 2 de Famous Kingdom. Allez, salut boule de nerf! Salut Magine. Ciao tout le monde! Salut.